Ya, qu'est-ce que vous faites sur ces fours? Un tout la hafe. Irkine Hey, on a bientôt un stack d'obsidienne. Alors, un petit truc un petit peu dommage quoi, que je me suis rendu compte, c'est que ici on est au spawn, donc je pensais que ça tournerait tout seul en étant déco. Mais que nenni! En fait, quand on est déco, globalement ça tourne, sauf les pipes de Extra Utility n'ont pas l'air de fonctionner. J'ai même essayé de placer une World Onshore et ça marche pas malgré la World Onshore. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être une config. Ouais, je verrai, je regarderai. On regardera l'occasion. Bon, c'est pas grave, du coup, je me suis connecté, je suis resté AFK en changeant un peu les tubes d'oxygène. Et on en a 60, quasiment un stack là, on va en avoir un stack, ce qui est largement suffisant. En tout cas, pour commencer. Donc, du coup, tiens, pour répondre aux différents commentaires là de dernier épisode, je sais pas, on avait des pertinents aussi de ton côté épée. Oui, je sais plus, mais oui. Sûrement. Par rapport au minerai qui est sur la lune, en fait, il y en a pas, il y a que du fromage. Et d'ailleurs, on en avait vu la dernière fois, attends, je crois qu'il est toujours là. Oui, il est en dessous. Ah, il y a du fromage, les gars. Du cheese. Oh. Donc, il y a que du fromage. À la base, en Galactic Craft, sur la lune, il y a d'autres minerais, mais ici, il y a que du fromage. C'est nerfé exprès pour pas que ça soit trop simple, que tu aies juste à miner. Il y aura peut-être du minerai sur les autres planètes, ça, je suis pas sûr, mais c'est probable parce que c'est très coûteux d'aller sur les autres planètes, ça, on le fera plus tard. Il nous faut plein de diamants, des conneries comme ça. Mais en tout cas, il n'y en a pas ici. Par contre, on fera de l'exploration, peut-être prochain épisode, je pense, parce qu'il y a des choses intéressantes à découvrir. Donc on ira se balader avec épée, on prendra nos scaphandres, nos bits et nos couteaux, et on partira à l'exploration. Bon, en attendant, avant de construire la sphère, comme on vous l'a dit, il faut qu'on soit juste un petit peu autonome pour la création de verres, de trucs comme ça. Et pour ça, nous allons continuer aujourd'hui tranquillement avec les petites quêtes. Et on va faire un automatique sieve. Donc Oui. c'était comme un sieve. Et sauf que, attention incroyable épée, il est automatique. Genre la réaction. Wouah! Ouah, de la Wouah! technologie. Ah merde, bah tu sais quoi, on n'a pas assez d'iron. Merde. J'en ai pas fait cuire. Oh, fu. Ah si, attends, j'avais décomposé un seau en bas. Je crois qu'on peut reproduire de l'iron. Calcium carbonate. C'est du fer, hein. Voilà, iron. Par contre, que je dise pas de bêtises, comment ils se. Utilisation. Juste un seul en bas à droite. Non, 16. Ouais, 16, ouais. Je me disais un seul, c'est pas cher quand même. Duc. Tu arriveras un jour. Non, 64. Attends. Ah, c'est en bas à gauche. Tu m'as trollé. Ah oui, bon. C'était à côté. Voilà, 6 de fer en plus. Oui, c'était pas loin, je t'avoue que c'était effectivement pas loin. Alors, on va récupérer nos sieves ici. Alors, on va commencer par un sieve, mais si on peut en faire deux, j'ai pas de quoi pour en faire deux pour l'instant. On va en faire un premier. Attends, on se met ça en nugget. Ça coûte un peu cher, hein, donc. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Bah, ça coûte un peu cher en fer, mais après, le fer va se. On va se On va en défaire. avoir. Tu sais, on va faire comme Jésus, quoi, on va le dupliquer à l'infini. Alors, Oui. le seul problème du sieve, c'est qu'il faut qu'il ait de l'énergie. On va voir juste après. Alors déjà, attends, j'ai la reward. On a un Rocket Fuel Bucket. Requête fois le bucket. Ouais, mais on a déjà un tank de 16K. Donc je vais juste le mettre là. Je sais pas quoi en faire. Et un reward bag. Oh putain, hé mec. Hé. C'est pas que Paul, ils m'ont saoulé un peu les Paul. Viens, on spawn un Paul. Qu'est-ce que c'est? S'il faut, c'est un creeper. Oui, donc plus loin. Attends, non, ici. Nuclear craft? Salut mec. What the fuck? Ah oui, il a pas d'air ce con. Mais la gueule qu'il a, putain. Attends, il loot peut-être des trucs intéressants, on va le laisser crever. Putain, on dirait un golem le machin. Chez IP Industries, nous laissons crever les gens. Gueule qu'il a. Putain, il est gros, hein, il fait la taille d'un golem. Bon bah donc il va mourir en toute tranquillité. Il court aussi vite qu'un villageois quand il est en frayeur. Oh putain, on peut faire un automatique hammerer, mec. Ça, par contre, ça peut être intéressant parce que c'est toujours intéressant d'hammerer les trucs.
Parce qu'on en produit plus. Oh bah écoute, c'est peut-être pas tout de suite l'automatique hammereur, vu combien ça coûte. Attends, hey, on avait 5 diamants, hein, c'est faisable. Ça coûte pas une enclume, je crois. Ça coûte. Non, ça coûte un peu moins, automatique hammereur. Ah si, ça coûte une enclume et 8 fer. Oui, Voilà. bah t'attendras que je fasse mon craft avant, hein, parce que j'en aurai plus besoin. Ouais. Ouais, exactement, on verra ça un peu plus tard. Par contre, donc du coup, il nous faut une source d'énergie quand même. Et pour ça, on va aller dans. I was bad. Non, c'est pas I was. More power! Et on va enfin faire du violon, les gars. Notre Starling générateur. Pendant ce temps que l'autre est en train de crever. Donc il faut four, stone, piston. Ah merde, piston, piston. Du coup, il va falloir un de fer. C'est bon, il me reste un de fer, je crois. Ouais. Et il nous faut des gears. On a de la cobble? Ouais. Bah, de toute façon, c'est parce qu'il manque, hein, vu le barrel d'or. Ah bah oui, putain, je suis vraiment boulet. Hein. C'est pas moi qui l'ai Alors. dit. Il nous faut. Donc normalement, j'ai monté un peu le son de d'épée. Il était un peu bas la dernière fois. Donc là, il devrait être un peu plus haut. Je l'ai quasiment mis au max en fait sur TS. Allez plus haut. Allez, plus haut! Tu vas faire cuire de la cobble. Tu veux pas Avec du charbon. mourir un jour, toi? Parce que c'est qu'il a quand même 80 HP, le machin. Ouais, putain, il peut respirer longtemps sous l'eau, le mec. Hein. Et, bah tiens, en attendant, on va prendre. Non, peut-être pas un stack. On va en prendre 10, parce qu'on est comme ça. On multiplie par 4. Oh, je devrais en prendre 16, du coup. Ah, on multiplie par 4 ou par 16, je sais plus. Où ça? L'obsidienne en. Comment ça s'appelle? En gravier! Par 16. On multiplie par 16. Ok! Donc Pourquoi je jette ça? j'ai 4 stacks là. Ah, good. Bon, on a tendance à consommer de l'énergie. Alors, l'énergie, ceci dit, on en a un bon. Ah d'ailleurs, pourquoi on le voit pas là-dessus? Contrôle formant info. Non, il nous dit pas combien il reste sur le Star Harvester. Faut que tu Ah si, il trouves. faut faire un clic droit. Bon, il nous reste quand même 22 millions de RF, mais autant prévoir sans ça parce que va arriver un moment où de toute façon. Bah d'ailleurs, on en a deux, je crois. Yep, il me semble aussi. Voilà, j'ai tous mes stacks de gravier, mec. Ça va être un pur plaisir. Du coup, le stirling, il me fallait. Oh merde. Ah Il bien. m'explique la table de craft, mec. Encore de la stone là si tu veux. Un peu street. Oh, un peu street. Putain, n'importe quoi. Ouais, de la stone, la cobble suffira. J'en ai fait cuire un peu. Avez-vous fumé quelque chose ce matin? Pas du tout. Pas de bon matin, quand même. Lol. What? J'ai pas chopé ma cobble? Oh, tu l'as peut-être jeté, hein. Ah non, elle est partie directement dans mon. C'est dans le. La crafting table intégrée. Donc, ça, le mode, on l'avait déjà dit, on l'avait rajouté, ça s'appelle comment déjà épée? Inventory crafting mode. Et voilà, exactement. Mais tu utilises quand même une table de craft normale. Ouais, je suis comme ça, moi. C'est vrai que j'ai juste appuyé sur E, c'est tellement plus. En plus, ça. Ah bah non, ça reste pas là. Par moment ça reste, d'autres fois non. Le mode est un tout petit peu buggé par moment. Bon, c'est la vie. Voilà, j'ai mon Stirling générateur. Donc du coup pour le moment, alors on va faire ça à l'extérieur. Donc le Stirling générateur qu'on va relier à l'automatique sieve. Vas-y, coupe-moi mon bois, comme ça je suis tranquille. On va également. Il faudrait que je refasse un. Un transfert node, mais il coûte assez cher, déjà on en a déjà fait 3. Normalement on a. Quoique il nous faut du fer, ouais. Il faut du fer plus un four. Pour ça qu'on a plus de fer. Ça on a, ça on a. Bon on n'a pas assez de fer pour l'instant. Du coup on va. Qu'est-ce qu'on va balancer dans le Stirling Generator? Est-ce qu'il y en a de. Bah on peut faire du charcoal avec le bois. Ouais, j'ai 21 de charcoal, vas-y, je vais balancer de ça dedans. Je t'avoue. Ouais voilà c'est bon, il s'alimente. Et du coup, bah on a juste à placer là-dedans et ça va siver. Alors,
Ça va civer automatiquement, tout ça. Il nous faudrait un automatic hammerer derrière. Les marteaux, pour rappel, ça permet de, quand vous brisez du gravier d'un truc, vous en obtenez 1, je sais plus combien. C'est un petit peu plus, 1,2 ou 1,3. Ah putain, merde, ça a pas coupé l'arbre comme il faut. Ah, mais aussi, t'as fait un tree chopper. Oui, mais ça va le couper petit à petit. Épée, il veut choper. Fais des haches en... Oui, mais il faut upgrade la machine. Ah oui, merde, bah attends, on va le faire. On va le faire parce que de toute façon, c'est une des quêtes. Donc les tree choppers, voilà, c'est intéressant parce que... Putain, il le coupe vraiment comme un pied, en fait. On va prendre un reward bag. Ah, il le coupe à l'arrache. Oh, ça va, ça coupe plutôt bien. Vatislove. Putain, il a fait des bons trolls dans les quêtes. Vatislove, baby don't hurt me. C'est quoi déjà un vat? Le vat. Oh, j'ai une Dark Oak Sapling. Merci de la Witch Ah! Water. Ah oui, avec la Witch Water. Et attends, c'est beaucoup mieux les Dark Oak, ça pousse plus gros. Bah oui. Oh, c'est cool. Oh mec, je peux faire spawner un Enderman. Ah, ça c'est cool. On en avait déjà un, on peut avoir une Ender Pearl du coup. On a... Oh putain, mec, on a 5 Endermen! Raison de plus. Bon bah YOLO, attends. Cool des Dark Oak. Ah, c'est bon, j'ai trouvé mon. Ce que je voulais faire. Wouh, il a droppé une Ender Pearl. Ah, ça c'est bien. Ils sont pas dissidents. On lui non. Aïe. Ouh. Ok, d'accord, il m'est mis vie. Ok, tout va bien. On va attendre de régénérer un petit peu, les gars, hein, parce que sinon je vais mourir. Surtout que là, il peut spawner. Je récupère mes canisters de bouffe. Ouais, pendant ce temps, notre pastèque a poussé aussi, les gens l'ont fait remarquer. Oui, mais Bah oui, on a déjà de la pastèque donc. Ouais, non, mais on est sur la lune, ça pousse au KLM, hein, c'est de la pastèque. Putain, mais. Oh! Oh, j'ai une tête d'Enderman et une deuxième Ender Pearl. Non, regarde, ça ira avec la collection là. Hop! Oh, classe. En plus, c'est celle d'Underio, je crois. C'est possible! Donc du coup on a tout ça, on est cool, regardez l'automatique sieve ce que ça fait, bah écoutez ça sieve tout simplement. Et on aura des upgrades à faire, vous voyez on a déjà un peu de... Le seul truc c'est que pour l'instant je produis pas assez d'énergie. Ah, ça viendra. Ouais, par rapport... Donc il faut faire plus de Stirling Generator. Et on va essayer justement d'automatiser ça, il nous faut un transfert node mais il faut attendre un peu pour l'instant. Alors attends, ça génère 16 000 RF. Oh bah ça va, il a coupé l'arbre, finalement. Ouais, on va faire masse charcoal, mec. Hein. Oui. Attends, je vais faire plusieurs fours à côté de l'autre pour qu'on puisse faire du charcoal. La sphère, comme on vous l'a dit, on la fera un peu plus tard. Ah oui, j'avais déjà oublié. Voilà, tiens, vas-y, on peut mettre, je vais mettre un stack de bois. On la fera un peu plus tard. Quand on a l'occasion, certains nous ont proposé de faire un timelapse. Alors, on pourrait, mais c'est. Des champignons. Hop. Non, on pourrait le faire, mais c'est un peu galère à faire, surtout en modé. Donc, pour l'instant, je pense pas qu'on fera de timelapse. Je verrai peut-être pour rajouter un compte en plus, un timelapse fixe, mais ça peut le faire. Bon, bref, tout ça tourne tout seul. Il faudrait faire un hopper, ça serait le nec plus extra. On n'a pas un hopper, mec. Faut du fer. Ouais, faut du fer. Je me demande si on peut pas obtenir. Ah, c'est quoi les trucs de Ked? Alors, l'iron, on peut le décomposer à partir de quoi? Une canister en garde. Ça c'est bon son cours. Tu peux avoir 10% de chance d'avoir du fer dans de la cobble. Oh, une météorite qui vient de s'écrouler. Alors sinon, ouais, tu sais quoi? On va se faire une pioche en diams. Pas grave, je consomme 3 diamants. On va en Bon, de obtenir plein de toute toute façon après. façon notre hein, voilà. Exactement. Je plus sois cette Cette réponse inattendue. réponse incroyable. Attends,
J'ai viré ça. Je vais récolter quelques météorites. Il y en a Et c'est plein écrasé. autour. De toute façon, plus on Ah reste dans oui. une zone, plus ça pop. Ça pop. Bon, par contre, ça peut détruire le Oh, bah, terrain. me dites pas que je me suis fait troller. Normalement, on peut avec ça. Tu t'es fait troller? Ah, c'est Non, bon. ça l'a looté. Ok. Cool. Non. Ça fait de la remétéorite. Ouais, attends, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Des plaques pour des fusées. De tir 1 ou 2, je sais pas. Tir 2, je pense. Ok, bon bah ça servira quand même, mec. Ça servira. Ok, bon par contre du coup j'ai pas de fer, je suis un peu déçu. Ah, c'est pas grave, on va mettre ça là. Bon bah du coup faut attendre d'avoir du fer, là je t'avoue que j'en ai 4. Donc bah tiens, on va vous montrer un truc, voilà, j'en ai 4. On prend les 4 qu'on regroupe et on fait un iron ore gravel. Et ensuite, on n'avait pas fait un marteau. On avait fait un stone hammerer. Et hop, regardez, ça fait. Ah bah là, ça nous en fait que 4 de crushed iron ore. Et du coup, ça fait un iron sand que je crois on peut encore marteler. Et ça nous a fait 4 powder iron. Fait un Moyen. iron ore dust qu'on peut encore marteler. Non. Pas du tout. On arrive au bout. Et celui-là, on fait le cuir. On le fait cuire. Alors là, on n'a rien obtenu de plus, hein. On a obtenu 4 à chaque fois. Normalement, on peut obtenir jusqu'à 7 ou 8. Ouais, mais je pense qu'il faut un marteau plus meilleur. Non, t'as un pourcentage de chance de l'obtenir, même Ok, j'ai basique. juste pas eu de chat, les gars. Voilà, comme d'hab. Attends, du coup, j'ai ma charcoal là-bas. On va faire cuire un peu. Ah, oh, bah, tu as fait cuire. Une planche. Et donc, du coup, ça va nous donner un de fer. Malheureusement, c'est pas la richesse. Si tu as du. Du. Bois! A-t-on récolté du bois? Oui, tiens. À 32 ici. Wouh! Ah, par contre, faut que tu mettes une quatrième sapling. Ah, bah tiens, tu étais en train de la faire. Excuse-moi, mon petit épée, il avait déjà tout prévu. Ah, y'a. Je voudrais bien que ça pousse, par contre. Attends de la bonne mine. Reste que 28, Bon. ouais, à pousser, c'est un peu long. Ah, attendez, on va récupérer tout ce charcoal et on va le réinjecter ici. Et bah, ça va civer. Alors. Il nous faudrait un deuxième, comme je vous l'ai dit, Stirling Generator, mais pour ça il nous faut un de fer et je crois qu'on en a plus. Ah bah si, on en a un. Je vais peut-être en faire un deuxième, mais il va nous falloir des câbles en fait énergétiques et on n'en a pas. Énergique, pardon. Énergique, je sais jamais. Énergie conduite. Des énergies conduites. Attends, on n'a pas les. Est-ce qu'il fonctionnerait les. Les C'est toi qui as les les. pipes rouges? Non. Peut-être Les pas tous. énergies pipes. D'extra utilities. Tu les avais pas tous qu'on. Et au fait, les énergies conduites, on en a. Hein. Ah bon? On en a 11. Oh bah vas-y, ils sont où? Bah dans le coffre là. Non, je... Oh bah oui, énergie conduite, ça doit être une. Oh! Pourquoi pas? Imhotep! Est-ce que je peux casser ça? Est-ce que tu crois que la machine, je peux la casser de Ender.io avec une pickaxe? Oui, ça tu peux. Ok, on va attendre que l'ARF passe. Reviens là. Space. Bugs. Et du coup. Ça. Qu'est-ce qu'on peut foutre avec la Witchwater? Du mushroom, c'est déjà bien. Et je vais faire un deuxième Stirling Generator. Et je pense qu'on peut les auto-alimenter comme je vous avais dit, mais il faut un transfert node liquide d'abord. Donc, pour le Stirling Generator, mesdames et messieurs, hop, faut de la cobble, j'ai. Ça c'est cool. Stirling. Oh, ça avance petit à petit. Oh, ça va, c'est plutôt cool. Ouais, c'est cool, on arrive à. Ça se fait bien, ça se fait bien. La difficulté est quand même élevée, mais. Ah, c'est le début. Ça viendra. Ouais, bah après qu'on aura les fusées, là ça va commencer à être fun. Ok, j'ai fait un deuxième Stirling Generator, du coup ça devrait aller quand même beaucoup plus vite. Pour. Je pensais que ça allait Pour notre marcher. truc ici. Ouais, il consomme 40 RF par tick, je pourrais encore en faire un en fait.
On avait combien de iron ore? Bah, j'avais déjà tout récolté. On pourrait encore en faire un. Je sais pas combien il consomme au max un. Bah là c'est 40 RF le coco, mais sans ajout. Si tu mets du fortune et du speed, ça peut aller jusqu'à 1,5K Ah, RF, d'accord. je crois. D'accord. Du coup, attends, on a Electrical Age. Requir RF. Donc on peut peut-être faire un truc automatisé avec le bois. Donc on va faire un stone chopper. Ouais, comme ça il coupera encore plus gros. Stone chopper. Ok, il faut. Bah tiens, je peux te récupérer le wooden chopper. Oui, vas-y. Je le transforme en stone chopper. Ça va être beau. Oh bah tiens, ça a poussé. Comme ça, on pourra le mettre une stone pick, une stone axe. Parce que bon, le bois c'est bien beau, mais ça coupe pas vite. D'ailleurs, est-ce que ça va couper plus vite avec une axe? Hop, on met les boutons. Stone chopper, il faut faire une hache en caillou. Il me faut du caillou brut. T'en avais fait cuire? Caillou brut. Non, bah je vais en faire recuire. Tu veux faire une axe ou une glaston? De la stone. Ah d'accord. On en a une ici. Hop, c'est bon, je vais en chercher. Il nous reste des barrels aussi. Je vais aller Briguer. barreliser. Non, pas ça. Mais ça, voilà, comme ça on a le gravier qui est directement là-bas. Pendant ce temps, t'as vu, on est déjà re à un stack. Donc l'obsidienne, on la produit vraiment très vite. Je pourrais peut-être diminuer la production en récupérant le transfert node, justement. Ça peut être intéressant. À le faire à la main. Pas comme ça? Ah oui, non, c'est inversé. Voilà, Stone Chopper. Du coup, la quête du Stone Chopper est faite. Hop, un petit reward bag. D'accord, The Vat. Ça sert à quoi la Stone Upgrade, mec? Justement agrandir, je crois, le rayon d'action. Ok. Bah, est-ce qu'on fait une petite Stone Upgrade? Oui, allons-y. Il y a Je pense qu'elle des. se fait à partir de la wood upgrade, on avait déjà une, non? Il y en a 10. Vas-y, envoie. On va juste en faire une. Récupérer? Ouais. Ouais. Ah, j'en ai 16. MDR. Ah d'accord. Et les reward bags. Oh! De la bouffe! Me gusta! Bah J'avais on faim, j'ai voulu une pizza. en a. Ah good. Hop! Du coup, on va l'automatiser comme ça, les gars. Ça devrait bien marcher. Il me faut combien? 8. Ah, par contre, il faut plein de stone. Et normalement, si je dis pas de bêtises, on peut l'automatiser et. Je vais déjà couper l'arbre à la main, moi. Ah, il nous faudrait vraiment un hopper, mec. Ce serait magique. Pas grave, on déplacera manuellement. Oui, explosion de saveur. On va le casser, pas besoin de autant. Pam pam pam. Ah oui, tu as cassé l'arbre. Oh, C'était pardon. ça l'explosion de saveur. Oui. Hop, j'ai ma petite stone upgrade. Du coup, on en a 10 de plus. Voilà, c'est cool. Et l'Electrical Age, c'est le RF Engine. Alors peut-être on va les déplacer un peu plus proche de nous. RF Engine. Attends, c'est ce truc là? Ouais, ou bah ça coûte 3, 6 fer. Oui. Bon, en attendant, tiens, Stone Chopper, je te la replace à côté. Ouais. J'ai mis. Ah, ça les avale les. Oh merde. Ça avale les upgrades. Donc, du coup, je sais pas. Ouais, du coup, le range il est passé à 23, donc c'est bon. À moins Ouais, de. mais quand on la casse, est-ce que ça nous la rend ou pas? Oui, ça te les rend. Ok. Alors attends, est-ce que tu aurais plus. Est-ce qu'on aurait plus de terre quelque part? Non, la terre, j'étais en train d'en refaire un peu, mais Bah, il y bah en a voilà. 3. Bah Ok. attends, on a des saplings, mec. Ah, il y en a une qui est sortie dehors, par contre.
C'est moi qui l'ai reposé. Ah mais tu l'as récupéré, c'est bon. Oui? Attends, tu l'as mis où? J'ai posé sur le mycélium, s'il m'en manquait une. Ah ok. Bah là, regarde ce qu'on va faire. Ah oui, de l'autre côté. On a une range de 23, on peut la faire un peu plus loin. Bah on va la faire... Ils vont jamais pousser en même temps, mec. Vas-y, on va la faire là. Deux. Waouh. Comme ça va nous produire ce qu'il faut comme... Comme bois. Donc Comme charcoal, bois. charcoal, énergie. Ouh, j'ai plus d'oxygène, moi. Il y a des bouteilles qui se rechargent en vrai, normalement. Ouais, à chaque fois, j'alterne. Hop, 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 tout ça c'est bon. On a produit encore plus de charcoal. Faut toujours en laisser. Alors, ce que je trouve un peu con, c'est qu'on puisse pas augmenter l'oxygène compresseur en rapidité. Ah, quand tu fais du... Ouais, ça serait quand même un peu mieux. Il n'y a pas de grade encore pour ça. Ah, dommage. Bon, on a déjà sieve un stack de... De tu sais quoi. Ah, good. Ouais. Je m'en rappelle plus. De gravier, putain, je trouvais pas le mot. Bon, là on a notre production automatique de bois, on est plutôt tranquille, voilà, ça va produire tout ce qu'il faut. Ah, il faut que je rajoute des saplings. Ouais, il faut. Je suis en train de refaire du sapling de Dark. Il faut au moins une sapling, c'est ça? Ouais, C'est mais bon, bah. c'est bon, j'en avais sûrement, hein. Donc je D'accord. l'ai posé. Donc ça devrait tourner tout seul, il faut juste attendre que ça pousse. Donc ok, tout tombe tout seul, les générateurs produisent de l'énergie. Voilà, 20 RF par tick. Du coup, ça y consomme 40 RF par tick. Et voilà, oui, ça produit tranquillement. Bah, ça produit du charbon sur lui-même, du lead, du tin, du silver, du lapis, du gold, de l'iron, du copper, de l'alu et du flint. Ok, bah écoutez, on a continué d'avancer bien comme il faut sur cet épisode-là. Tranquillement. Petit à petit, ça prend forme. Il faudra juste, comme je l'ai dit, qu'on crée plus de machines. Il nous faut, je pense qu'il nous faut, je sais pas combien ça, l'automatique sieve, je sais pas combien il peut consommer au maximum. On va le laisser se recharger un tout petit peu pour voir combien il consomme au max, pour savoir combien de Stirling Generator je crée en fait avant les upgrades hein, évidemment. Ouais, faudrait voir ça. Donc attends, je suis en train de le remplir un peu en énergie. Hop. Ça consomme 40 là actuellement, 40 RF, Ouais, mais. ça consomme 40. Ok, donc ça consomme 40. Donc 2 Stirling générateurs pour un automatique sieve. C'est suffisant, il tourne à plein level. Après, il y a des upgrades à faire qui sont. Bah, il faut d'abord qu'on fasse un automatique hammerer. Et ensuite, on peut faire les upgrades fortune et tout. Et ça va être super intéressant parce qu'on va produire encore plus. Oui, mais consommer énormément plus. Voilà, consommer plus en termes d'énergie. Mais l'énergie, comme je t'ai dit, c'est pas un souci puisque après, ce qu'on va utiliser, c'est le chemical décomposeur. Pour produire du carbone et alimenter les Stirling générateurs en carbone, et normalement tu produis plus d'énergie que ça t'en consomme. Donc il y aura juste à dédoubler les pains, entre guillemets. Voilà, on va se laisser là pour aujourd'hui. On partira en exploration la fois prochaine, mon petit épée. Ouais, On faisons le part... petit tour. on prendra notre nourriture, nos épées, et on ira explorer. Ouais, à la prochaine, ciao ciao ciao! Chou chou. Ah.